Selon l'Organisation mondiale de la santé, la vaccination a permis de réduire considérablement le taux de morbidité et de mortalité dans le monde. Cette semaine est donc l'opportunité de souligner la portée de ces inoculations dans la vie de chaque individu. Bon, il faut savoir déjà que la vaccination, elle consiste à introduire un agent infectieux dont la virulence a été amoindrie, donc dont la virulence a été réduite, introduire dans un corps, donc dans un organisme, afin que ce corps puisse fabriquer des anticorps pour pouvoir lutter contre cette maladie la prochaine fois où il sera en contact avec l'agent infectieux. À l'occasion de la semaine africaine de la vaccination qui se déroule cette année du 24 au 30 avril 2023, les professionnels de santé gabonais ont tenu à rappeler que se protéger, c'est protéger les autres. Donc la vaccination va faire en sorte que vous n'attrapez pas la maladie. Ou même si vous attrapez cette maladie, vous allez faire ce qu'on appelle des formes mineures. C'est pour ça que c'est important de se faire vacciner. Et il faut retenir que se vacciner, c'est d'abord se protéger contre la maladie, mais c'est également protéger les autres. Lancée en 2010 par l'OMS, la semaine africaine de la vaccination est consacrée à accroître la demande de vaccination communautaire, améliorer son accès et plaider pour la mobilisation des ressources.